Martha? 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 Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté de la nourriture. Comment te sens-tu aujourd'hui? Dans le 16 décembre, le jour que Michael est mort, donc comment penses-tu que je me sens? Michael était un bon homme de Dieu. Ouais, tellement bon même, que Dieu l'a pris un peu plus tôt qu'il voulait. Je voulais savoir, est-ce que tu vas venir au culte le 24 décembre? La semaine prochaine. Ça fait 4 ans qu'on t'a pas vu. Tout le monde à l'église s'inquiète de ta situation. Et en plus, on t'a besoin d'un groupe de louanges. Michael est mort. Maintenant, tu viens me parler d'aller au groupe de louanges. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va aller au groupe de louanges? Ok. J'ai une profonde tristesse dans mon cœur. Je n'ai pas envie d'aller chanter pour la gloire de Dieu. Oui, je sais que Dieu existe, mais en ce moment, j'ai une tristesse dans mon cœur. Donc, ce n'est pas ça que j'ai besoin. Merci. La porte est là. Tu peux partir. Lamentations 3, versets 31 à 33 dit: car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. C'est un temps difficile pour toi, mais Dieu est en contrôle. Un temps assez difficile pour moi. Savais-tu que avant que Michael meure, c'était le temps le plus joyeux de ma vie? Je venais d'avoir la promotion que je voulais, Michael aussi, puis on venait d'aborder le sujet d'avoir des enfants. Puis là, tout d'un coup, le Dieu qui est tellement en contrôle, c'est là qu'il décide de prendre Michael, c'est là qu'il décide de prendre ma joie. Bien. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. On ne peut pas connaître toutes les raisons pour lesquelles Dieu laisse les mauvaises choses arriver. Mais si tu continues à chercher sa face, à lui donner ton cœur et ce que tu lui demandes, il pourra t'aider à comprendre. Sandy, est-ce que tu écoutes quand je te parle? Tout ce que je te dis, c'est que j'ai une tristesse profonde dans mon cœur. Je ne veux pas aller à un culte de Noël où tout le monde va être en train de rire et être content pendant que moi je suis triste. Ok? Non, je ne vais pas aller. Laisse le problème, c'est là, c'est fini là. Moi, je suis correcte dans ma dépression toute seule chez moi. Si tu veux être contente, va avec l'église, laisse-moi ici. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ok. Proverbe 3, verset 5. J'avoue que, quand Sandy me parlait, je n'étais pas trop prête à l'écouter. Mais avec le temps, je réalise que Dieu utilise les situations plutôt difficiles pour nous transformer et nous amener là où nous devrions être. Pour vous qui passez à travers des moments d'épreuve, n'oubliez pas que Dieu est là et il veut vous guider. Il ne faut pas abandonner. La victoire est assurée. Psaume 32, verset 8 nous dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.